Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo va être un tag, le tag que je crois vous me demandez depuis que j'ai commencé ma chaîne peut-être. C'est tout le monde le demande, tout le monde le demande, donc je vais enfin vous le faire. Donc c'est le tag la musique qui. Donc je vais commencer tout de suite. Première question, la chanson qui vous fait rire. Alors moi c'est une chanson que j'ai découvert dans les vidéos de Squeezie. Donc une chanson de El Mudo, c'est Chacaron Macaron. La chanson qui vous donne la pêche, c'est une chanson qui est sortie récemment, donc c'est Can't Remember to Forget You de Shakira et Rihanna. Troisième question, la chanson qui vous rappelle celui que vous aimez. Je suis actuellement dans ma période compliquée. Enfin genre, vous savez, les ados, les sentiments, je crois que j'ai une espèce de crush, comme ça, mais je suis pas sûre, mais je crois. Mais bref, c'est compliqué, justement. Donc j'ai mis une chanson qui me rappelle lui. Christina Aguilera, c'est Bound to You. Question numéro 4, la chanson que vous auriez aimé écrire. C'est une chanson que j'aime depuis que je l'ai écoutée. Vraiment, c'est une chanson tellement belle. C'est Warrior de Demi Lovato. Cinquième question, la chanson qui vous rend nostalgique. C'est une chanson qui est sortie il y a assez longtemps quand même, mais je l'ai réécoutée. C'est Nothing Like Us de Justin Bieber. Question numéro 6, la chanson qui vous rappelle votre adolescence. J'ai mis en fait une musique que j'écoute super beaucoup ces derniers temps. Feeling Myself de Will.i.am. Question 7, la chanson que vous aimez d'un artiste que vous détestez. Alors moi je déteste pas l'artiste. C'est le genre de musique que j'aime pas à la base, donc c'est une musique de dubstep. C'est Tsunami de Martin Garrix. Question 8, la chanson que vous admettez aimer honteusement. Alors moi c'est une chanson de La Fouine. Les trucs genre La Fouine, Booba, le rap, le truc, le machin français, j'aime pas du tout, mais pas du tout. Une chanson de Tim BS, donc La Fouine, et elle s'appelle Vrai Frère. Il est vrai j'ai trop d'adversaires, sur le côté quelques ennemis refoulés. Il ferait tout pour nous faire taire, quand tout va mal on sait sur qui compter. Question numéro 9, la chanson dont vous aimez les paroles. Moi c'est une chanson de Bastien Baker, donc c'est un chanteur suisse qui chante en anglais si jamais vous connaissez pas. C'est Dirty 30. Question numéro 10, la chanson avec laquelle vous aimez vous réveiller. Quand je suis partie à Londres pour le concert de Selena Gomez, en fait avec l'ami avec qui je suis partie, on l'avait mis comme réveil pour bien nous motiver parce qu'on se réveille à 4h du matin. J'adore la mettre en réveil. C'est Like a Champion de Selena Gomez. Question numéro 11, la chanson qui vous rappelle votre enfance. Alors c'est une chanson que j'écoutais mais en boucle quand j'étais plus petite, donc c'est une chanson d'Anna Montana, c'est Let's Get Crazy.
Question numéro 13, la chanson qui vous rappelle votre meilleure amie. Lancez de nouveau une chanson de Bastien Baker. J'ai essayé de mettre des artistes différents, mais ça, j'étais obligée de mettre celle-là. C'est 79 Clinton Street. Question numéro 14, la chanson qui vous fait pleurer. Je crois une des seules chanson qui arrive à me faire pleurer juste en l'écoutant, c'est la chanson de Rufus Wainwright, mais il y a plein de gens qui l'ont reprise, donc c'est Alléluia. It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing Alléluia. Question numéro 15, la chanson qui vous fait penser à votre solitude. Alors moi c'est une chanson de Kinvey. Je l'ai écoutée il y a pas longtemps et depuis, je l'écoute en boucle. Les paroles sont trop belles. C'est une chanson triste, mais elle est tellement bien. Et c'est Petite Émilie. Faut dire qu'au collège, tout avait changé. Trop d'élèves ne faisaient que de se moquer. Partout, elle se sentait rejetée. Tantôt frappée, tantôt injuriée. Question numéro 16, la chanson que vous aimez chanter. Alors quand j'écoute cette chanson, même si je suis dans la rue, si vous passez à côté de moi, vous voyez mes lèvres bouger. Donc cette chanson, si je l'écoute, je peux pas m'empêcher de la chanter, mais impossible. C'est une chanson de Lady Gaga featuring R. Kelly, c'est Do What You Want. Question numéro 17, la chanson qui reflète votre état d'esprit du moment. Alors je sais pas pourquoi j'ai mis ça là. Ne me demandez pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas de raison. Mais c'est Formidable de Stromae. J'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable. J'étais formidable. Question numéro 18. La chanson qui vous rappelle votre ex. J'ai jamais eu de vrai copain, on va dire. Voilà. Donc j'ai pas d'ex. Hein. Mais j'ai mis une chanson qui me rappelle mon ex crush. Enfin. L'histoire c'est très compliqué, mais bon, ça c'est un. Je le considère comme mon ex-crush. Reprise de Tal, donc c'est de Génération Goldman, pas toi. Quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface, je pense à toi. Question numéro 19, la chanson que vous détestez par-dessus tout. Cette chanson. Je peux pas me l'écouter. Dès qu'elle passe à radio, je supplie n'importe qui pour changer parce que je la supporte pas. Mais je sais pas pourquoi. C'est la chanson que je peux pas écouter. C'est impossible. C'est Glad You Came de The Wanted. Make you glad you came. The sun goes down, the stars come out. Et dernière question, question numéro 20, votre chanson du moment. Alors cette chanson, c'est celle que je m'écoute en boucle. Elle est sortie il y a un moment quand même, mais je l'avais pas écoutée quand elle était sortie. C'est Little Me de Little Mix. Voilà tout le monde, donc j'ai fini ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne ici. N'hésitez pas à me donner toutes vos idées de vidéos en commentaire, je les ferai avec plaisir, même si ça prend du temps. Je vous mets le lien de mon Snapchat, mon Instagram, mon mail et mon Ask en barre d'infos. Toutes les questions et les liens des musiques que j'ai citées seront également en barre d'infos. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!